Hello les accros, on se retrouve donc pour la suite du tuto C2C, c'est-à-dire comment insérer une couleur, comment faire suivre nos fils et comment suivre une grille. Donc une grille, ça se présente comme ceci. Alors désolé pour ceux qui ne sont pas fans de l'OM, mais c'est le motif que j'ai prévu. Donc j'ai déjà réalisé la première partie de ma grille. Et ici, voilà, je suis arrivée ici. Donc je vais commencer mon motif après le premier carré blanc que je vais devoir faire sur mon plaid, pardon. Et donc je vous explique, première chose, ici j'ai ma laine. Donc c'est la Big Mama de chez Grundl qui se crochette en 3,5 à 4,5. Et moi je vais utiliser un crochet 3,5. C'est le plus petit qui est spécifié sur la pelote. Donc ce sont des pelotes de 400 grammes qui font à peu près 1040 mètres. J'ai déjà utilisé une partie de la pelote, donc j'espère en avoir assez. Voilà pour ce qui est du blanc. Ensuite, je vais prendre un bleu que j'ai estimé être le plus proche de celui des couleurs de l'OM. C'est pas évident à trouver. Donc, c'est de l'azurite qui est 100% acrylique aussi et qui se crochette en 3, 3,5, 4. Donc, pareil, travaillerai en 3,5 et celle-ci pour l'écriture, puisque le doré n'est pas forcément évident à trouver. J'en ai trouvé un peu que je réserve pour les toiles uniquement. Donc elle se tricote aussi en 3,5 4. Et c'est alors dans celle-ci, c'est 50% laine, 50% acrylique et c'est la Nevada, voilà, de chez Filati Servigna. Donc, je vais démarrer mon motif avec celle-ci, bleu jean, puisque c'est pour l'écriture. Donc, ce rang est fait. Je vais donc attaquer. Donc, il faut toujours avoir un crayon sous la main. Chaque fois que l'on fait un rang, on barre en diagonale le rang que l'on vient de faire. Donc ici, j'ai mon premier carré qui correspond au premier carré de ma grille. Les deux carrés suivants correspondent aux deux carrés suivants de la grille, ainsi de suite. Ici, trois carrés, le rang suivant fait trois carrés, ainsi de suite jusqu'au début du motif. Donc ici, je dois faire un carré blanc et un carré bleu. Et ensuite, terminer mon rang avec uniquement des carrés blancs. Donc, je suis ici sur l'endroit de mon travail. Je vais le retourner puisqu'il faut un coup à l'endroit, un coup sur l'endroit, un coup sur l'envers. Donc, ici, je suis à l'endroit. Mon motif va donc commencer sur le second carré de mon plaid. Je vais donc faire mon premier carré blanc, alors que je me remette dans le bon sens. Voilà. Ici, je fais mon premier carré avec 6 mailles en l'air, puisque, alors, petite particularité, quand on fait un plaid, et voilà, moi je voulais que ça soit bien serré. Donc, au lieu de faire 6 mailles en l'air, je ne vais en faire que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais mon jeté. Je vais compter 1, 2 et je vais piquer dans la troisième maille en l'air puisqu'il me faut 3 brides. Ça ne change pas. Ce sont toujours des carrés de 3 brides. J'ai fait mon premier carré. Maintenant, je dois changer de couleur. Donc, ce fil va passer devant, entre moi et l'ouvrage. J'attrape
ma nouvelle couleur. Et je vais donc faire mon carré bleu. J'insère mon fil entre les deux carrés. J'en laisse suffisamment, voilà, 5-6 cm suffisent pour pouvoir rentrer mon fil. Je pique dans mon espace du carré suivant. Et ici, je vais faire ma maille coulée avec la nouvelle couleur. Et on fait, il faut absolument que mon fil soit sur l'envers de mon travail. Je pique et je ramène ma maille coulée pour pas que mon fil bleu se voit de ce côté. Ici, je vais monter avec deux mailles en l'air uniquement pour que mes trous ne soient pas trop grands. Ici, je bloque mon petit fil avec mes deux mailles en l'air du carré précédent. Donc, je vais le tricoter avec. Et ainsi, je le rentre au fur et à mesure. Je fais donc mes trois brides en passant sous mes mailles dans l'espace et je prends le petit morceau de fil avec. Et j'aurais dû faire suivre mon fil blanc. Donc on recommence. Donc une fois que j'ai fait mes deux mailles en l'air, je prépare mon jeté et je vais attraper mes deux petits brins, mes deux fils. Donc le petit brin à rentrer et le fil blanc qui va à ma pelote, puisque la prochaine maille sera elle aussi en blanc. Donc, je crochète autour de tout ça et je fais mes trois brides. Une, deux et trois. Maintenant, je dois reprendre mon fil blanc, mais faire suivre, puisque sur ce rang, je vais avoir que des blanches. Mais au rang retour, je vais avoir ici une bleue, une blanche et une bleue. Donc, quand on monte, on anticipe sur le rang suivant. Toujours, toujours, toujours. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, ce rang, je n'ai que du blanc après. Mais au retour, je vais avoir une bleue ici. Du coup, il faut anticiper pour ne pas avoir de grands fils qui traînent. Ce qui veut dire que, ici, je reprends un carré blanc. Donc, je passe mon crochet dans mon espace. Avec mon fil blanc, je viens faire le tour de mon crochet. Donc, ici, j'ai un grand brin, mais qui va s'enlever une fois que j'ai fait ma maille coulée. Donc, on serre bien la couleur bleue. Je monte avec mes deux mailles en l'air uniquement. On ne fait plus trois, mais si vous voulez que ça soit plus aéré, pas de souci. Vous continuez à monter avec vos trois. Mais pour un plaid ou une couverture, je pense que c'est plus simple et plus joli. Surtout, les motifs ressortent beaucoup mieux s'il n'y a pas trop de trous et du coup on ne monte qu'avec deux mailles en l'air. Donc je vais prendre mes fils et je vais piquer dans mon espace normalement, ce qui permet de faire suivre mon fil. Une, deux. Je crochète mes trois brides en prenant le tout, les fils, celui à rentrer, celui dont je vais avoir besoin au prochain rang pour la couleur bleue,
et je fais et mes mailles en l'air qui sont en dessous pour crocheter mon carré. Ici, je vais faire ma maille coulée simplement. Je monte à nouveau avec deux mailles en l'air. Je vais avoir, donc par rapport au rang suivant, il me faut donc une, deux et trois mailles pour pouvoir débuter mon carré bleu du rang suivant. Donc je vais faire suivre mes fils sur au moins deux carrés. Donc ici j'ai fait mes deux mailles en l'air. Comme tout à l'heure, j'attrape mes fils à suivre ou à rentrer. C'est le même principe quand on veut rentrer des fils. Donc, et je vais passer mes fils au-dessus. Je vais les relever légèrement. Passer mon crochet sous mon espace de deux mailles en l'air du carré précédent. Et je vais crocheter mes brides autour de tout cela. Une. Deux. Je maintiens bien mes fils vers le bas quand je crochète autour pour ne pas piquer à travers et pour ne pas que ça se voit. Quand je retourne, on ne voit rien du tout. On sait que les fils passent juste ici. C'est pour ça que je fais aussi que deux mailles en l'air. C'est pour éviter de voir les fils qui vont passer derrière. Donc, si on regarde bien, on ne voit pas les fils. Juste, voilà. Mais ça permet aussi d'éviter la doublure. Le fait de faire suivre les fils ainsi, on n'est pas obligé de doubler son ouvrage. La couverture Mario que j'ai faite, que vous avez vue dans la vidéo précédente, elle n'a pas été doublée parce que j'ai fait suivre mes fils ainsi. Maintenant, je vais prendre celui-là, je n'ai plus besoin de le faire monter. Je vais simplement faire deux mailles en l'air, rentrer mon petit brin en le piquant avec les mailles en l'air. Et je continue à rentrer mon fil ainsi. Croyez-moi, ça ne bouge absolument pas. Je n'en suis pas à mon premier essai de C au lavage, ça ne bouge pas. Si vous préférez sécuriser en faisant un petit nœud, pas de souci, mais je vous garantis que placé comme ceci, ça ne bouge pas. Je vais le faire une dernière fois. Deux mailles en l'air, j'attrape mon fil à faire suivre ou à rentrer et je le passe et je passe mon crochet par-dessus puis sous mes mailles en l'air du carré précédent. Ainsi, je fais rentrer mon fil. Et je fais mes trois brides en crochetant autour des mailles en l'air et du fil à rentrer. Ainsi, mon fil ne bouge pas. Je ferme donc ici avec ma maille coulée et je vais continuer. Mes fils sont passés sur l'envers. Donc ici, hop, mes fils sont passés sur l'envers. Une fois que j'ai commencé mon motif, je sais que ici, c'est l'envers de mon travail. Et ici, c'est l'endroit. Je vais marquer mon rang. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je coche mes petits carrés au fur et à mesure que j'avance. Bon, je le fais en principe à la fin du rang ou au fur et à mesure quand j'ai beaucoup de couleurs. Ici, j'aurai à peu près 2 ou 3 changements de couleurs. Je préfère les barrer au fur et à mesure et puis ça permet de les compter, de ne pas faire d'erreur, de barrer au fur et à mesure. Donc je vais terminer mon rang, redescendre jusqu'à mon prochain carré de couleur et on se retrouve pour que je puisse vous réexpliquer le changement, le suivi de fil. J'ai fini mon rang en vert. Je vais donc repartir sur mon rang en droit. Pour ne pas me tromper,
Je barre et je compte en même temps le nombre de carrés blancs que je dois faire avant mon premier carré de couleur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais donc faire mes 12 carrés blancs avant d'arriver à mon carré bleu, mon premier carré bleu. Bon, je dis bleu, mais parce que c'est ma couleur. Mais bon, voilà. Après, tout dépend de votre grille, mais peu importe le motif que vous avez, c'est exactement le même principe. On a une couleur de fond, on a une couleur de motif. On peut avoir plusieurs couleurs de motif, plusieurs couleurs dans le même motif, comme le Mario, par exemple. Alors, j'ai pas conservé ma grille. On peut avoir plusieurs coloris sur la même diagonale. Ici, par exemple, j'ai du rouge, du noir, du jaune, du noir, puis du bleu, etc., etc. On revient après le bleu, on a du noir, puis la couleur de fond. Ça n'a aucune incidence. Les changements de couleur se font exactement de la même façon. Il suffit de jongler avec les fils. Et vous le verrez au fur et à mesure de cette vidéo, comment faire justement quand on a deux, trois couleurs dans la même diagonale. Je dois faire mes 12 carrés blancs. Donc je repars sur un rang. Donc ici, comme c'est un plaid, je ne fais que 5 mailles en l'air. Hop, je prépare mon jeté. Je compte et je pique dans ma troisième maille. Et je fais mes trois brides sur ma chaînette pour ajouter un carré. Ce carré-là va compter pour mon motif. Donc j'ai un premier carré sur mon rang. Je fais le second, deux mailles en l'air uniquement pour serrer un peu plus et je crochète mes trois brides. Et vous voyez que les trous ne se voient à peine. Voilà. On les voit que si on tire dessus. Donc on va faire nos 12 carrés blancs afin d'arriver au début du motif. Donc ici j'en ai 1, 2, 3. Je vais donc continuer de façon à avoir mes 12 carrés. Je fais une petite ellipse et on se retrouve quand j'ai mes 12 carrés. Donc je suis arrivée à mon 12e carré blanc. Donc je fais mon carré. 1, 3 brides blanches. Maintenant je vais changer de couleur pour faire la pointe du T. Donc je glisse. Cette fois-ci, je laisse mon fil derrière puisque ici, je suis sur l'endroit. Donc, je laisse mon fil blanc derrière. Je passe mon crochet sous les mailles en l'air. J'attrape mon fil bleu. Je viens faire un tour complet autour du crochet et je fais ma maille coulée sans trop serrer. Et ici, je serre par contre très fort au niveau de la dernière maille blanche. Je monte avec mes deux mailles en bleu, j'attrape mon fil blanc afin de le faire suivre puisque je vais avoir un carré bleu, un carré blanc et un carré bleu. Donc je bloque mon fil blanc derrière, j'attrape, je passe sous les mailles en l'air, je prends le fil bleu que je viens de ramener et mon fil blanc et je crochète 3 brides autour de ces fils. Une, deux et trois. Et je resserre à nouveau. Vous voyez qu'ici j'ai une petite boule blanche qui ne devrait pas apparaître
Donc je prends mon fil blanc et je serre fort. Et là, on ne voit plus le fil blanc. Maintenant, je dois refaire un carré blanc ici. Je passe mon crochet dans l'espace de deux mailles en l'air. J'attrape mon fil blanc. Et je fais ma maille coulée avec mon fil blanc. Pour redémarrer, je n'oublie pas de bien serrer mon fil bleu. N'hésitez pas à serrer, hein. Il faut vraiment tirer jusque quasiment au point de rupture pour que ce soit bien, bien, bien masqué. Donc, deux mailles en l'air en blanc, j'attrape mon fil bleu puisque je vais devoir refaire ici un carré bleu et je crochète mes mailles en l'air du carré blanc ainsi que le fil bleu pour le faire suivre. Et un. Et 2 et 3 brides blanches. Donc j'ai un carré bleu, j'ai fait mon premier carré bleu, un carré blanc, je refais un carré bleu. Donc je vais laisser en zoom. Je pique, je laisse mes fils derrière puisque je suis sur l'endroit. Je pique mon crochet dans l'espace sous les mailles en l'air. J'attrape mon fil bleu. Et ici, vous voyez que les deux fils, celui-ci va passer par-dessus le blanc. Et je tire ma maille coulée. Je serre mon fil blanc. Donc on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Attention de ne pas craquer le fil quand même, mais on serre le plus fort possible avant que ça pète. Il faut faire quand même très attention. Si vous avez une laine fragile, faut serrer, mais faites attention. Le mieux, c'est avant de commencer votre ouvrage, vous testez le point de rupture. C'est-à-dire que vous prenez une pelote que vous allez travailler, vous bloquez bien. Alors, je vais dézoomer pour que vous voyez. Hop. Vous bloquez bien et vous tirez. Et vous voyez que là, oh, il faut quand même tirer pas mal pour que ça lâche. Donc, voilà un bon test à faire avant d'entamer aussi votre plaid ou votre couverture. Sachez à quel moment ça risque de lâcher pour pouvoir serrer justement un maximum sans que ça lâche là. Si ça lâche là, il faut recommencer le carré. Ensuite, je monte avec de nouveau mes deux mailles en l'air. Je passe mon crochet sous les mailles en l'air du carré précédent. Je chope le fil blanc qui est derrière pour le faire descendre et pour le faire suivre. Et ici, je fais mes trois brides. Avant de continuer, je resserre à nouveau pour que le petit bec blanc disparaisse dans le bleu. Là, je dois refaire à nouveau un carré blanc. Je vais donc passer, hop, je me bats. Heureusement que j'ai que deux couleurs pour l'instant. Donc, je passe mon crochet. J'attrape mon fil blanc, je tire, et là je resserre encore ici pour justement éviter qu'on voit le petit bout blanc. Et je vais donc terminer ma ligne en faisant eh bien deux carrés blancs. Donc, deux mailles en l'air, je tire bien mon fil bleu. Je crochète mes trois brides en blanc. Alors là, on n'a pas besoin de faire suivre le fil bleu. Ce que j'ai fait machinalement, à un moment, je fais suivre alors que je ne devrais pas. Donc, hop, c'est pas la peine de faire des surépaisseurs
pour rien. Donc on fait simplement nos trois brides en blanc. On resserre à nouveau vraiment fort. Et maintenant, je termine mon rang en faisant mon dernier carré de trois brides blanches. Donc voilà, vous avez vu comment changer de couleur sur l'endroit et sur l'envers au début. Je vais refaire un ou deux rangs seul, et puis je viendrai pour la troisième couleur. Je vais faire une petite ellipse, je vais monter jusqu'à ma troisième couleur et on se retrouve pour le début de cette troisième couleur. N'oubliez pas d'anticiper pour vos prochains rangs. Donc ici il va me falloir trois blanches, une bleue, une blanche, une bleue. Donc là, j'ai pas de motif au-dessus, je n'aurai pas besoin de monter mon fil bleu pour la suite, puisque on va rester toujours sur la même ligne, à part le petit point ici où il faudra anticiper. Si par exemple, eh ben, on avait, admettons, un carré de jean ici, il faudrait que au rang suivant, je le fasse monter, pour pouvoir le crocheter facilement sans faire un grand fil entre les deux. Voilà pourquoi il faut anticiper sur les rangs suivants. Ben moi je sais que je procède comme ça et c'est drôlement plus facile et ça permet de rentrer les fils pour les monter. Si on a 3-4 cases, on va pas couper le fil là pour reprendre là pour redescendre après. On fait simplement suivre en anticipant sur le rang suivant. Et alors on perd un chouïa de laine, mais quand on fait un nœud, qu'on rentre le fil ici, il faut rentrer le fil, crocheter son machin, re-rentrer le fil s'il faut couper pour redescendre après, on gaspille beaucoup moins de laine. Moi, je trouve qu'on gaspille moins de laine à faire suivre entre les rangs. Après, ici, on aura une coupure et on fera suivre donc le long aussi, mais au lieu de le faire suivre de haut en bas sur la diagonale, on fera simplement suivre sur la largeur pour reprendre ici. Donc suivant si c'est sur un rang droit ou sur un rang inverse, on peut le calculer à l'avance en faisant des petites flèches et puis voir où on va tomber, si c'est plutôt en bas, si c'est plutôt en haut. Mais il suffit de faire suivre aussi sur le latéral, c'est possible, il n'y a pas de souci. Autant on peut faire suivre en hauteur qu'en largeur, que sur la diagonale, il suffit de l'anticiper. Donc pensez bien à regarder quand vous faites un rang, à regarder le suivant pour savoir où va aller votre couleur, si elle doit descendre ou si elle doit remonter, puisque selon si vous êtes à l'endroit ou à l'envers, le sens ne sera pas le même. Mais admettons que j'ai un carré jaune ici. Eh bien, il faudrait que sur un rang en droit, je descende. Donc, je vais descendre mon fil. Si je suis sur un rang en vert, je vais laisser mon fil là où il est. Et je le descendrai sur le rang suivant, sur le même rang. J'espère que tout est clair de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Parce que c'est franchement pas évident. Mais voilà, anticipez sur les rangs suivants si vous ne voulez pas couper vos fils à chaque fois, ce qui demande un énorme travail pour rentrer les fils après. Il vaut mieux les faire suivre au fur et à mesure que l'on avance. Voilà. Et on gaspillera beaucoup moins de laine à faire suivre un fil sur d'ici à ici, par exemple, que de le couper, le rentrer, re-rentrer un morceau, recommencer après. Enfin bon, voilà. Moi, tout ce que j'essaye de faire, c'est de vous aider au maximum et que vous ayez un travail propre. Voilà. Que je vous montre l'envers. Voilà. Quand on fait suivre un fil correctement, même en anticipant, ça laisse le derrière propre.
Une fois qu'on a terminé son ouvrage, vu que nos fils sont rentrés, eh bien, il n'y a plus qu'à les couper au plus court. Et voilà. Et on n'a pas besoin de faire une doublure. Puisqu'on ne va pas s'accrocher dans les fils. Il n'y a pas de longs fils qui traînent entre deux couleurs. Donc voilà, je vais donc continuer jusqu'à ce que j'arrive à mon bleu azur. J'ai perdu le nom, azur azurite. Donc voilà. Et je vous dis donc à très vite pour la suite. Donc, je fais un petit aparté au sujet des grilles que j'explique correctement. Que l'on commence par un coin ou par l'autre, c'est exactement la même chose. On va prendre ce coin puisqu'il n'est pas encore utilisé. Donc avant de faire une grille, avant de faire un motif, l'idéal c'est de faire un petit échantillon. Pas besoin d'en faire beaucoup. J'ai fait simplement 5 carrés de hauteur que j'ai mesuré. J'avais 6 cm. Sachant que ma grille au total fera 81 carré, j'ai fait un petit produit en croix et mon plaid devrait faire 101. Donc j'ai mesuré la hauteur puisque c'était le plus important pour moi, mais vous pouvez très bien le calculer pour la largeur. Donc vous faites vos 5 premiers carrés, vous mesurez, vous mettez 5 carrés la mesure que ça fait, ça peut faire plus, ça peut faire moins. Ensuite, vous comptez le nombre de carrés total sur votre grille. Donc c'est ce que j'ai fait moi pour ma largeur. Donc 81 x 6 divisé par 5, ça me fait 101 cm de hauteur. 101 cm de hauteur pour mon plaid que je veux plus large que haut cette fois-ci, ce sera parfait. Pour une couverture, on fait exactement la même chose. Admettons que je prenne ma grille, elle est comme ça. Donc ici, je vais avoir, admettons, 100 carrés de large parce que vous pouvez aussi très bien rajouter des carrés par rapport à votre grille. Une fois que vous l'avez imprimé, vous faites, ici, je l'avais fait, hop, sur celle-ci. Donc sur celle-ci, j'ai fait plus 20 ici. Donc j'ai fait 20 carrés unis et ensuite j'ai calculé ici par rapport à la délimitation de mon dessin, je centre mon dessin et j'ai rajouté 10 carrés avant, 10 carrés après pour avoir la bonne largeur et la bonne hauteur. Vous voyez qu'ici, au-dessus de mon motif, j'ai encore rajouté des carrés vides pour pouvoir centrer mon dessin. Donc ici, j'en ai rajouté que 10, mais en bas, puisque je voulais que ma couverture puisse se border sous le matelas, j'ai fait 20 ou 30, 30 rangs avant de commencer mon motif, de façon à ce que mon motif arrive pile poil au bord de mon matelas. Voilà pour ce qui est de la grille. Sachez aussi que si vous avez une énorme grille avec plein de carrés et que vous souhaitez faire un petit format, vous pouvez, au lieu de faire des carrés de bride, vous pouvez faire des carrés de demi-bride. Je vous mettrai la photo qui s'affiche par rapport à ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Ce sera peut-être plus simple. Donc j'avais trouvé sur internet une explication pour faire des carrés plus ou moins grands, plus ou moins petits par rapport à la laine que vous avez et par rapport à la grille, pour ne pas avoir à modifier votre grille. Donc dans ce cas-là, vous faites un échantillon, mais au lieu de faire votre échantillon en carré de bride, vous le faites en carré de demi-bride. On peut modifier la taille de l'ouvrage sans modifier la grille. Ça, c'était très important que vous le sachiez. J'avais fait un échantillon en 4, et en 4, ça donnait pas bien. Ça donnait trop grand, donc du coup, j'ai réduit à 3,5. Le fait de réduire le crochet peut aussi jouer le crochet et la laine, forcément. Si vous prenez une laine 3,5, un crochet 8, ça ne sera pas joli du tout. Votre motif n'aura pas de sens. Mais voilà, déjà, sur une laine, il y a toujours plusieurs numéros
recommandés. Donc vous pouvez tester. Voilà, ici j'ai 3 numéros recommandés, donc du 3, du 3,5 ou du 4 pour les aiguilles, mais avec le crochet ça marche aussi. Donc déjà en jonglant sur les 3, 2 ou 3 grosseurs de crochet, ça forcément ça changera la taille de votre motif. Donc voilà, je suis arrivée à mon premier carré bleu turquoise. Je vais zoomer un peu pour que vous y voyez. Voilà, vous voyez par rapport à ma grille, j'ai donc fait mon nombre de carrés blancs ici. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et vous voyez que je dois démarrer ma nouvelle couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je dois donc démarrer ma nouvelle couleur ici. Continuer en blanc jusqu'à ce que j'arrive à mon bleu jean. Donc nous avons vu tout à l'heure, quand j'ai commencé le bleu jean, comment insérer un fil sur l'envers, et ça tombe parfaitement bien, nous allons pouvoir voir comment insérer un fil sur l'endroit. Donc on passe son crochet en laissant le fil derrière, on passe son crochet sous nos mailles en l'air, on attrape sa nouvelle couleur en laissant 5-6 cm comme d'habitude, on attrape son fil et on fait la maille coulée avec la nouvelle couleur. On serre bien le fil blanc, n'ayez pas peur de serrer. Je vais faire ma première maille en l'air avec les deux fils, comme ça il est bloqué. Je fais la deuxième avec mon fil en simple et je vais crocheter mes 3 brides en prenant donc mes mailles en l'air plus le petit brin, hop, plus le petit brin à rentrer, et je vais passer avec autour. Et je vais donc crocheter mes 3 brides. Une, ici, je tire bien mes fils. Ici, le blanc aussi. Et je crochète donc mes 3 brides. 2 et 3. Alors, ici, j'ai un petit morceau de blanc qui apparaît dessous, mais une fois lavé, les brides se mettent bien en place et on ne voit plus rien. Donc j'ai un carré bleu que je barre. Hop. Ensuite, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 blancs. 6 blancs. Donc je passe mon crochet, je rattrape. Alors ça va se compliquer parce qu'avec 3 couleurs, ça commence un peu à être le bazar, mais on s'en sort très bien. Je n'aime pas travailler en peloton, je préfère travailler en pelote entière. Donc du coup, voilà, je tire bien jusqu'à ce que mon fil disparaisse et je monte avec mes 2 mailles en l'air. Je rentre, je vous montre derrière, je tricote, je crochette simplement avec celui-ci qui est à rentrer. Donc je vais l'attraper avec mes mailles en l'air du carré précédent et je fais donc mes 3 brides. Je rentre ainsi mon fil au fur et à mesure sans qu'il se voit sur l'endroit, et je n'aurai pas à le faire par la suite puisque c'est déjà fait, il est déjà bloqué au niveau de la maille en l'air quand j'ai pris mon fil en double, donc ça ne se sauve pas, pas de souci. Et je fais donc mes 6 carrés blancs. Donc en voici un,
2 mailles en l'air, mes 3 brides avec le fil à rentrer. Hop là. J'ai fait exprès de le faire à la va-vite. Ici, on voit un bout de bleu. J'ai juste à reprendre mon fil et je le tends. Et il disparaît derrière le blanc. Pas de souci. Donc, on est à 2 cases blanches. 2 mailles en l'air uniquement. Je fais mes brides en rentrant mon petit fil bleu. Une. 2 et 3. Ici, je tends bien le fil à rentrer pour qu'il disparaisse. Et ça ne se voit pas. 2 mailles en l'air. Le mieux, c'est de ne pas le lâcher, comme ça il reste bien tendu. Se dédouble un peu, mais ça va. Donc ici j'ai mon fil bleu jean. Le T étant terminé, il faut que je fasse suivre mon fil bleu jean qui est ici en haut pour pouvoir crocheter mon prochain carré bleu jean sans avoir ce grand morceau de fil. Et bien comme l'autre, je fais mes 2 mailles en l'air, je prépare ma bride, j'attrape les fils à rentrer et à faire suivre et je les crochette en même temps que mes mailles en l'air du carré précédent. Ainsi, je fais suivre mon fil proprement, il est camouflé. Il m'en faut encore une, 2, 3. Sur le carré suivant, je crochète mes fils aussi. Et 3. Ici, je viens faire ma maille coulée avec la couleur que je dois utiliser maintenant, c'est-à-dire le bleu jean. Et je fais ma maille coulée, alors, soit comme ceci, en passant le crochet par-dessus. Et je serre bien mon fil blanc. Soit je le prends en faisant celui-là tombe, soit je prends en passant le fil par-dessus. Ça, c'est au choix. Et là, je fais ma maille coulée, je serre bien mon fil blanc et je peux continuer. 1, 2 mailles, je continue à rentrer mon fil et à faire suivre le fil blanc, puisque je vais avoir une maille ici, je fais suivre mon fil blanc en le crochetant avec les mailles en l'air du carré précédent et du coup il me suit jusqu'à ce que j'arrive à la maille suivante ou le carré suivant selon ce que j'ai besoin de faire. Alors ici, donc ça c'est fait. Voilà, je viens de faire mon premier carré bleu. Maintenant, je reprends un carré blanc. Donc, je le pique là. Je prends mon fil blanc
et je fais ma maille coulée avec la nouvelle couleur. Ça, c'est très important pour pas qu'on ne voit, pour pas voir les changements de couleur. Ensuite, je fais mes deux mailles en l'air, je fais mon carré blanc en crochetant mes mailles en l'air du carré précédent et le fil bleu jean qui doit suivre. Je crochète autour des mailles en l'air et du fil qui doit suivre. Ainsi, je n'ai pas besoin d'arrêter mon fil à chaque changement de couleur. Donc, par contre, je le serre bien pour pas qu'on voit la petite boule. Donc, mon carré bleu jean est fait. Je vais faire maintenant un carré blanc. Non, j'ai fait un carré blanc. Je dois faire un carré bleu jean. Donc, je reprends mon fil bleu jean. Je fais ma maille coulée. Je serre bien mon fil blanc. Et je fais mon carré en bleu jean. Deux mailles en l'air. J'attrape mon fil blanc derrière. Ici, je crochète autour en faisant ma bride. Je prends bien mes trois mailles en l'air plus mon fil blanc. Je vais crocheter ma bride. Ainsi, les deux fils, le fil et les mailles en l'air sont prises ensemble. Ici, je fais mon dernier carré blanc. Celui-ci n'a pas besoin de suivre. Donc, je fais ma maille coulée en blanc. Et je remonte avec mes deux mailles en l'air. Et je fais mes trois brides dans le dernier carré. Et trois. Je pense à bien serrer tous mes fils. Là, j'ai un petit peu zappé de le serrer avant de faire mon carré. Mais serrer, serrer, serrer. Toujours, toujours, toujours. Ici, je suis arrivée au bout. Eh bien, je retourne mon ouvrage. Hop. Celui-là va passer par là. Alors, on se dépatouille des fils. Et je vais monter avec mes 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Et je prépare ma bride. Je compte 1, 2. Dans la troisième, je fais ma première bride. Ici, j'ai fait, alors, je viens de retourner mon travail, donc je suis à nouveau sur l'envers. Il y a les fils qui passent. Pour changer de couleur, je passe mon fil devant. Je ne le laisse pas vers l'arrière, je le passe vers moi. Je pique mon crochet sous les mailles en l'air. Et je fais un tour complet autour du crochet et je ramène. Ici, je serre bien et je repars avec ma nouvelle couleur. Donc, deux mailles en l'air, je fais suivre mon fil. Comme je suis sur l'envers, je dois le faire passer par devant. Enfin, il reste sur le devant de l'envers. Et non pas de l'autre côté, sinon vous aurez des fils qui passent sur le devant et sur l'envers, et du coup ça serait pas très très joli. Donc ici j'ai fait mon premier carré blanc, je dois faire deux bleus. Je vais donc faire ma maille coulée, je remonte avec mes deux mailles en l'air, et à ce moment-là je fais suivre mon fil, et seulement à ce moment-là. Donc, je l'attrape, je le remonte de façon à pouvoir l'attraper en même temps que mes deux mailles en l'air du carré précédent.
et je fais mes trois brides de la même façon en prenant bien le fil. Ensuite, je vais avoir maintenant un carré blanc. Je laisse mes fils vers moi. Je pique mon crochet. Je pique mon crochet. Pas besoin de croiser vos fils ici. Ce qui fait le croisement des fils, c'est la maille coulée, puisque l'un va passer dans l'autre. Je fais un tour complet de mon crochet et je ressors mon fil blanc. Je passe par contre sous le fil qui vient de l'autre carré. Et ici, je fais ma maille coulée et je serre à fond. Et je repars. Une, deux mailles en l'air. Je fais suivre mon fil en le passant devant les mailles en l'air du carré. Et je fais mes trois brides en blanc. À nouveau, un carré bleu. Je pique mon crochet. J'attrape le bleu. Je fais un tour complet autour de mon crochet. Et je passe donc sous mes mailles en l'air, sous le brin qui vient du carré précédent bleu et dans la maille. Et je serre. Et sur l'endroit, ça donne ceci. Je fais mon carré bleu, donc deux mailles en l'air, puis mes trois brides. À nouveau un carré blanc, toujours pareil, j'enroule. Le fait d'enrouler le fil, de ressortir par dessous, va masquer le fil bleu quand je vais le tendre. Vous allez voir que le fil bleu ici, il va passer finalement sous le fil blanc. Je monte avec mes deux mailles blanches et je fais mes carrés blancs à suivre. Je pense à bien serrer mes fils avant même de recommencer un nouveau carré. Il faut vraiment, vraiment bien serré pour qu'il n'y ait pas de petits brins qui réapparaissent par la suite. Donc ma maille bleue est faite. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais mes 5 carrés blancs et on se retrouve pour le turquoise. Je vais vous montrer. Alors, une fois qu'on a passé son fil blanc, il reste derrière. Pas besoin de refaire. On fait une maille coulée traditionnelle. Une, deux mailles en l'air, puis à nouveau nos trois brides en prenant soin de faire suivre son fil. Bleu. Bon, là je l'ai fait suivre pour rien, mais c'est pas grave. Voilà, ça arrive, mais il fallait que je vous montre aussi comment le faire suivre sur deux ou trois. Donc c'est pas grave, je le redescendrai après.
Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est mon dernier blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais donc faire 2 bleus ciel maintenant. Enfin, 2 bleus turquoise. Et je reprendrai après en blanc. Donc ici, je rentre mon crochet. J'attrape mon bleu turquoise. Et je fais le tour complet. Et je serre bien mon fil blanc. Je monte une, deux mailles. J'attrape le blanc pour le faire suivre. Et je fais trois brides. Une. Deux. Trois. Je passe au suivant. Donc en faisant ma maille coulée, une, deux mailles en l'air, et on rattrape son fil blanc que l'on crochète en même temps. Hop. Que les mailles en l'air. Je repars en blanc, donc celui-ci reste devant, et je repars en faisant ma maille coulée avec la nouvelle couleur du carré que je vais faire. On utilise toujours la couleur qui va suivre pour faire la maille coulée. On ne la fait pas avec le bleu, sinon sur la hauteur on aurait une maille bleue, une maille blanche, et ça serait pas joli. Et je continue mon rang. Le prochain, ce sera sur la même ligne. Donc du coup, je ne fais pas suivre le bleu. Sur le prochain, si j'avais dû faire cette maille ici, j'aurais monté d'un cran ma maille bleue. Mon fil bleu, pardon. Donc sur l'envers, les fils restent sur l'envers. Sur l'endroit, les fils restent derrière. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne. On avance, le motif va se dessiner. Donc j'avance un petit peu plus. Là, je pense que je vous ai tout expliqué au niveau des couleurs, des changements, de comment faire suivre vos fils. Et au niveau de l'échantillon, je vous en ai parlé aussi. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'à. Le changement de maille par rapport au gris, c'est vu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aidera à réaliser un motif. Donc là, on était sur un modèle avec deux couleurs différentes. Enfin, trois couleurs au total, entre le fond et les deux couleurs, et encore les deux couleurs ne se mélangent pas vraiment puisqu'il y a toujours de la couleur de fond, mais vous avez pu voir comment jongler avec vos fils, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. Je pense que vous êtes parés pour faire de jolis dessins maintenant. Donc les accros, je vous dis à très vite, je ferai peut-être un podcast quand j'aurai fini, pour vous montrer le résultat de ce C2C. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai des idées pour faire des bordures, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Vous verrez que j'ai personnellement adapté sur certains de mes ouvrages la bordure fille. Je fais des bordures coquilles toutes simples, mais bon, ça donne un joli effet de finition. Et puis pour les garçons, il y a deux solutions, donc entre la finition que j'ai utilisée
pour la couverture de mon fils et le block stitch qui peut servir en faisant les deux rangs de block stitch peuvent faire un très très joli rendu aussi sur une bordure C2C en utilisant les couleurs principales. Donc moi ce sera le blanc et le bleu. Je pense que j'en ferai deux tours, donc je pourrai jongler avec les couleurs. Ça sera très très sympa aussi, je pense. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Alors pas tout de suite parce que mon plaid n'est pas fini et j'ai beaucoup d'ouvrages en cours comme toujours. Mais bon voilà, ça viendra très très vite. Les accros, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.